Sur l'ardoise, nous allons donc vous entraîner au K majuscule qui n'est pas facile. Au début, ça commence comme un I. Je monte, petit plateau, je redescends, crochet en arrière. Puis je lève mon crayon, je me mets à droite, un peu plus loin et à peu près à la même hauteur. Et je vais faire un pont à l'endroit mais qui va vers la gauche au lieu d'aller vers la droite. Ensuite, je vais aller piquer le début, je frotte dessus, je redescends et je ferme. Enfin, je ne ferme pas d'ailleurs, je redescends et je remonte. Je recommence. Le début, comme un I majuscule, je lève mon crayon, un pont à l'endroit mais vers la gauche, je pique, je frotte, je redescends. Pont à l'endroit normal. Donc vous voyez bien que du coup ici, ici et ici, c'est arrondi. Je vous ai dit, hein, le début du K, il n'est pas trop dur, mais la deuxième partie, elle n'est vraiment pas facile. Donc si je le refais en entier, ça fait comme ça. Évitez de trop coller les deux parties. Sinon, ça donne ça. Ce n'est pas joli. Ou alors de faire trop serré. D'accord? Ça, ça ne va pas. Évitez aussi de faire trop loin. On est d'accord que ce n'est pas joli. On est bien d'accord. Maintenant, je vais vous le montrer dans les lignes. Alors, dans les lignes, c'est pas plus difficile, c'est juste qu'il faut bien viser, quoi. Alors, je montre. Hop, je me mets comme il faut, peut-être plutôt dans l'autre sens, voilà. Allons-y. Alors, comme c'est une majuscule, elle est coincée entre la ligne violette et la troisième ligne bleue. Ce qui veut dire que, étonnamment, je pars de la deuxième. Je monte à la troisième, je frotte la troisième, je redescends, je touche la ligne violette, je remonte. Ça, on en sait déjà, c'est comme un I. Puis je vais me remettre un tout petit peu en dessous de la troisième ligne bleue. Je monte à la troisième, je touche. Et vous voyez que je ne touche toujours pas la première partie. À peu près au milieu, je vais aller piquer ma première partie. Puis je refrotte dessus. Je descends bien droit. Je frotte la ligne violette. Et je fais mon crochet pour la fin. Est-ce que vous le voyez le K là? Regardez, on le voit, il est là. Comme ça, comme ça, comme ça. Vous le voyez maintenant? Oui. Donc je recommence. Hop. Je pique. Et je remonte. Et en plein milieu, il y a le K. On est bien d'accord? Hop. Je pique. Et je remonte. Est-ce que c'est bien compris? Oui.